Toxico. Ce fou de Toxico a un petit truc à vous dire. Halt. Ok. C'est le match des abonnés, il faut se frapper. Si Napong, c'est l'heure de se frapper. Fais pas de springboard, on va t'attraper. J'ai pédigré un chien, m'a traité de bulldog. Dans mes cheveux, y'a des poux, mais pas de coup de poing. Agile, il m'a trompé avec ce fou dans le swoggle. Depuis, j'ai des envies d'être gogol. J'ai inventé une fiche, je l'ai renommé en swoggle, il va crever. Dans mes matchs, il va y avoir du sang, ma gueule. J'ai une batte de baseball entre mes mains, ma gueule. Je vais sortir un spirit, tu vas pas le voir passer. J'suis posé, ils sont la troisième corde. J'observe mon adversaire avec un regard vif, il m'a mal regardé. Je lui fais un crossbody, faut que je le punisse, j'suis enragé contre cette chute. Je vais lui mettre un kick à la 7 wallet. Woman way, j'ai perdu dans cette forêt. C'est pas un petit pousset. Il aspirait les arbres pour trouver de chien. On est maintenant parti, ça va fighter. Pas besoin d'être sur Street Fighter pour se fighter. Je suis prêt pour le match proposé par les abonnés. Il est là, il est là, il est là. Mesdames, messieurs, on se retrouve aujourd'hui à Indianapolis. Et oui, on est parti avec le champ John Cena. John Cena est parti dans les bois récupérer du bûcheron pour faire un feu de camp dans ma maison, pouet pouet, dans ma maison, pouet pouet. Imagine, tu m'as un cheval juste à côté. Dans ma maison, dans ma maison. Ah, ça serait énorme. Bon, trêve de baliverne, mesdames, messieurs, veuillez accueillir le champ John Cena, plus de 15-16 fois champion du monde. Vous pouvez l'aimer, vous pouvez le détester, vous le détestez de plus en plus, mais il est toujours là à vous divertir, mesdames, messieurs. The champ is here and the champ is will be here. C'est important quand même de préciser, t'as vu tout ça, the king of kings, le roi des rois. Mais non, mais enfin Toxique, c'est pas lui le roi des rois. Mais si, mais non, mais hi, mais non, mais hi, mais non, mais hi. Mais c'est qui alors? C'est le game Triple H, mais il est où? Il est où Triple H? Il est où? Il est où? Il est pas là, il est pas là, il est parti, t'as vu, il est parti, il a fait des choses à faire, des courses et tout, t'as vu, pour sa famille, tout ça. En attendant, on accueille son futur, son petit protégé, l'architecte de la WWE. Please welcome Sat. Imagine ton chien, tu l'appelles Seth. Non mais déjà le chien il comprend rien à ce que tu dis, tu vois, quand tu lui parles il te regarde en mode ouais je comprends mais il comprend que dalle. Faut arrêter de se foutre de notre gueule, s'il te plaît, l'animal il est teubé. En plus t'as vu, quand t'es enfant et que l'animal fait une connerie, c'est toi qui prends. Parce que l'animal il est mis à part, il est trop mignon, mais putain mais vas-y quoi. Et on risque pas de lui retirer de l'argent de poche à lui. À part peut-être, on lui retire peut-être des croquettes, 2-3 croquettes s'il fait des bêtises, mais pas plus. Voilà, on va pas le priver de dessert, lui il est au calme. Hein. Lui il fait sa vie tranquille, tu vois, jamais de problème, machin. Il est là, il dort. Long dodo, après il va voir ses potes, une petite disque. Ah ouais, la vie d'animaux, c'est hell. Hein. Pourquoi on n'est pas tous des animaux? En même temps, ce serait la merde. Hein. Il y aurait plein de familles, on sait pas qui est à qui, tu vois. Et on est parti pour ce tables match. Match proposé par, on se calme, attention, par AZERTY Gaming FR. Et c'est parti avec un shoulder block. Voilà, moi je commence comme ça mes matchs, y'a pas de problème. Allez viens là, c'est trop lin là, tu fermes ta gueule. Bon ok, il a pas parlé en même temps, bon c'est vrai, ok ok d'accord j'avoue. Allez, c'est parti, on va directement à l'extérieur du ring chercher, bah excusez-moi, hein, c'est un tables match, hein, c'est pas une fleur match, hein. J'imagine on tape avec des fleurs, ah ouais super, Willy Willy Willy, ça fait peur ce match. Attention, oh, allez voilà, on ramène la table au calme, pépère la famille. Seth Rollins, on se calme quand même, projection, je reviens, tu te calmes, j'ai dit l'attention. Lutas Press, et tiens, voilà. Ça, tu vois, ça calme les gens, ça. Quand tu fais des Lutas Press, les gens ils sont oh là là, ça fait mal quoi. Bah oui, c'est normal, ça fasse mal. C'est un Lutas Press, c'est pas fait pour être gentil quoi. Et tension, et Lutas Press, et tiens, voilà. Là, ça s'appelle des leçons de vie, tout à fait. Allez, on va aller prendre ça si tu veux bien. Merci, Sina. Attention, on va la placer ici. Ça me paraît bien ici, ça me paraît même super bien. Allez, cette Rollins, tu viens voir.
Viens voir, viens, mais viens me voir, putain, d'accord, je me fais stopper radicalement, quoi. Attention, il tient, c'est contré, là. Attention, c'est parti, on va choper cette Wallins projection dans le coin qui passera pas, c'est contré, mais il va passer dans le coin ou pas ce fou, là? Allez, oui, c'est parti, projection dans le coin, attention, oh oui, la fin du match, mesdames et messieurs, 5 minutes de match, et ça va être déjà la fin. Attention, c'est parti, troisième corps, mesdames et messieurs, salut, back souplex à travers la table. Non mais ils sont sincères là. Mais il est passé à travers la table, frère. T'as vu ma back souplex magnifique. Et toi tu me dis ouais y'a rien. Non mais arrête quoi, y'a un moment donné faut arrêter de se foutre de ma bouche quoi. Et voilà quoi. Tiens prends-toi ça. Tu restes tranquille là. Attention, d'accord, voilà, tiens, va ici. Dépêche-toi, Kekria. Attention Cena qui va monter maintenant sur sa troisième corde. Oh non, il est en difficulté, Seth Rollins en début de match. Attention, you can see me, you can see me. C'est parti, goodbye. Wow. Oh, j'en viens pas. Le match des abonnés le plus court de You can see me, du haut de cette troisième corde, c'est terminé. Incroyable, incroyable, j'en reviens pas les gars. Je joue en légende. C'est quoi ce match? Wesh. Le match des abonnés le plus court de tous ceux que j'ai fait. Il est là les gars, il est là. C'est un truc de ouf. Non franchement j'en reviens, putain. Moi dans ma tête je voulais faire des trucs de ouf et là, deux minutes, pas une, pas deux, deux, si, deux. Un, deux, quoi, un, zéro, un plus un égale deux. Zéro plus zéro, la tête à Toto, bon, on le sait ça. Non, mais ça, j'en reviens pas, franchement, je suis choqué. Bref, putain. J'espère, Azerty, ton match t'aura bien plu, il l'attend depuis longtemps. Mais t'as pas, ça va, c'est pas. Putain. Prenez bien ça de vous. Et peace.